Classic Concert Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau luthier qui nous a rejoint dernièrement et qui s'appelle Dominique Voscioli et qui est australien. Donc, comme vous le savez, nous sommes passionnés de guitare moderne et nous avons reçu il y a quelques temps un des plus grands luthiers australiens, le plus grand luthier tout court, qui s'appelle Jim Redgate. Les guitares de Jim Redgate sont parmi les meilleures guitares et sont jouées par des guitaristes comme Ana Vidovich, qui jouent sur ces guitares parce qu'elles offrent un potentiel musical assez exceptionnel. Nous avons donc demandé à Jim de nous recommander du thé australien et spontanément, il nous a parlé de Dominique Roscoli. Il est vrai que Jim Redgate et Dominique Roscoli se connaissent depuis des années et que Jim Redgate est un peu le mentor de Dominique Roscoli. Vous verrez que ces guitares partagent beaucoup de principes avec les guitares de Jim Redgate. Dominique Roscoli fabrique des guitares depuis 1990 et il fabrique deux types de guitares. Un modèle Fleta que nous aurons bientôt la chance de vous montrer et un modèle Lattice, celui-ci. Alors, cette guitare est la guitare numéro 167 de Dominique et c'est une guitare Lattice. Vous trouvez sur cette guitare Lattice une table en cèdre, pas si fine que ça, de 1,5 mm, sachant qu'une guitare traditionnelle a une table de 2 mm. Alors, cette guitare bénéficie d'un barrage en quadrillage, lattice signifie en quadrillage, 9 brins dans ce sens, 9 brins dans l'autre, le barrage est en balsa, mais aussi d'un film de carbone. Le poids du barrage se compte en grammes, quelques grammes seulement. Le dos et les éclisses sont en multicouches, il y a deux couches de bois. La couche extérieure est une couche de zircote, un très beau zircote. Le dos est bombé pour rigidifier la guitare. Et vous avez des filets qui sont magnifiques, en érable, qui contrastent avec le bois de la guitare. Le chevalet est en ébène avec 12 trous, comme vous pouvez le voir, sachant que cela permet de modifier l'angle d'accroche de la corde par rapport à la table. C'est-à-dire que avec la même pression de jeu, vous avez plus d'effet sonore sur la table. Un armrest qui a trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'éviter que la table soit étouffée quand vous posez votre bras. Le deuxième, c'est de rendre la position du guitariste plus confortable parce que ici vous n'avez pas d'angle. Et enfin, ça permet en fait de préserver la table en évitant la chaussette inesthétique que l'on met l'été et de faire en sorte que le vernis de la table ne soit pas abîmé. Sur le manche, vous avez ici une case supplémentaire, le dos, et une touche surélevée qui rend l'accès aux hyperaigus plus facile. La touche est en ébène. On retrouve un plaquage en zircote sur la tête et des mécaniques Goto Premium. Voyons comment cette guitare sonne. Donc je vais vous jouer la guitare note à note pour que vous puissiez entendre toutes les notes de l'instrument. De là. Une belle épaisseur sonore, donc un beau vibrato. Sol. Le sustain est vraiment impressionnant. Corde aussi.
Mi. Pas de note courte. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la guitare a beaucoup d'harmoniques. Les harmoniques prolongent artificiellement la durée des notes. En conclusion, je vous dirais que cette guitare a tout pour plaire. Elle a d'abord un long sustain, une belle épaisseur sonore, des résonances harmoniques, une facilité de jeu, une homogénéité sonore sur tout le manche, c'est-à-dire que l'épaisseur des notes, les notes sont aussi épaisses quand vous jouez dans cette région du manche qu'en haut du manche. Et vous avez une dynamique qui est relativement proche d'une guitare traditionnelle, c'est-à-dire que quand vous jouez tout doucement, plus fort, ça vous permet en fait de modifier votre jeu en fonction de la musique et d'avoir un potentiel musical assez important. Enfin, je vous dirais que cette guitare procure un plaisir de jeu qui me rappelle en tout point en fait la guitare de Jim Redgate que nous avions eue au showroom en décembre. Merci de votre attention, à bientôt.